gazole qui répond au quart de tour. Un gazole plus propre, pour un moteur plus performant et moins gourmand, c'est Shell Formule Diesel. Shell Formule Diesel, ce gazole fait très très fort. Enfin la douceur Lotus. Lotus est tellement plus doux que ça valait vraiment la peine d'attendre. La douceur Lotus et rien d'autre. Mon doudou, SOS et raflure, ça soigne très bien, mais seulement les chaussures. SOS et Raflure, le rénovateur de Kiwi. Il a dit adieu à la vidéo, ciao aux belles capricieuses et bon vent à son bolide. Mais il a gardé Gillette Gel. Gillette Gel se transforme en une mousse d'une extrême richesse pour faire du rasage un moment rare de confort, tout en hydratation et en douceur. Gillette Gel, la seule richesse dont l'homme ne peut se passer. Un gazole qui répond au plus grand froid, Shell Formule Diesel. Ce gazole fait très très fort. Les génies du jazz. Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Miles Davis. Retrouvez-les tous dans Les Génies du Jazz. Les Génies du Jazz, une fantastique collection de références sur disque compact à un prix exceptionnel. Des enregistrements inoubliables et la qualité du son numérique. Cette semaine, le numéro 1, Louis Armstrong. Un disque compact et son fascicule au prix incroyable de 39 francs. Chez votre marchand de journaux. Une production Guilde Internationale du Disque. ICO. ICO de Balzen. Un goût nouveau dans la jungle de l'apéritif. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Friselier en gratin ivoire carré ou diabolo en salade ivoire carré? Ah, diabolo, naturellement. Des friselis, évidemment. Ah non, encore. C'est ça, la femme soumise doit s'incliner. Oh, ben, ma puce, je suggère, c'est tout. Mais tu es tellement directif. Écoute, on va pas polémiquer sur la prédominance des friselis et des diabolos. D'ailleurs, en fait, le problème, il est ailleurs. Ah non, mais c'est ma gorge, fait des coquillettes. Ah oui, c'est difficile de choisir entre ivoire carré. Les plantes, c'est ma bouffée d'oxygène. Mes cheveux, ils sont comme moi. Ils ont besoin des plantes. Alors mon shampoing, c'est ultra doux de Garnier, aux extraits naturels de plantes. Il est doux pour mes cheveux, doux pour mon cuir chevelu. Aussi, je peux l'utiliser tous les jours. Pour moi, c'est le plus doux des shampoings. Avec ultra doux aux plantes, mes cheveux sont pleins de vie. Shampoing et après-shampoing ultra doux de Garnier, l'ultra douceur aux plantes. Il y a une demi-heure, cet homme avait tellement mal à la tête qu'il ne supportait pas le tic-tac de sa montre. Aspirine 500 vitamine C Oberlin, des laboratoires Oberlin. L'aspirine est un médicament. À 20h30, les mercenaires du Costa Verde. Dans les républiques bananières, on a horreur des changements de régime. À 22h15, le film du Dakar. Avec 200 km de hors-piste, le Ténéré est aujourd'hui plus chameau que jamais. À 23h, le voyageur. Au 3615 Code Lise, la messagerie jaune, c'est Minitel et Maxi Frousse. Ce soir, 20h30, les mercenaires du Costa Verde. 22h15, le film du Dakar. 23h, le voyageur. Et bien sûr, les dernières infos à minuit pile. Tu viens avec moi? Débarrassez-moi de ce bandit! Émotion.
Révolution, pont 69, parents adoptifs français qui vont retrouver leurs enfants en Roumanie. La grogne dans les hôpitaux, menace de grève mercredi prochain des internes et des chefs de clinique qui n'ont pas le droit de travailler dans le privé. Alors notre question, comprenez-vous la grogne des médecins? Vous répondez jusqu'à la fin de ce journal. Le Dakar, direction le Ténéré, nous retrouvons Gilles Schneider et toute l'équipe de la 5. Enfin la météo, toujours triste et maussade. Bonjour, le voyage du bonheur, 69 parents adoptifs sont donc partis ce matin pour Bucarest, retrouver leurs enfants après des années d'attente et d'espoir déçus. Cette fois, c'est la bonne, ils ont donc pris l'avion ce matin. Patrice Romden a assisté à cet émouvant départ. De l'influence de la révolution roumaine sur le bonheur de foyers français. Un tyran tombe, des familles s'agrandissent, c'est le baby boom de l'adoption intime. Je sais pas, c'est un bonheur inouï, je sais pas le dire, je sais pas exprimer. C'est prêt, je sais pas. Non, je ne sais pas parler. À quel moment vous y avez cru? C'est gagné, là. Allez. Ben, ça représente un désir de 15 ans d'avoir un enfant, et puis de 3 ans de galère pour aller en Roumanie, pour pouvoir joindre nos petits. Et puis aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Alors imaginez, cette année, les vœux, c'était pas du toc, hein. Et à partir de quel moment vous avez vraiment cru que ça serait possible? Toujours. Toujours. Moi, j'ai jamais passé un seul instant que ça ne puisse pas être possible. Vous avez vu un enfant, vous l'avez touché, vous l'avez pris dans vos bras. Vous pouvez imaginer un seul instant que vous n'allez pas l'avoir? Non. Inimaginable. Surtout après une trop longue attente. La dernière fois où je l'ai vu, c'était au mois de décembre, le 8 décembre, du 8 au 11 décembre. Et donc, j'étais resté dans l'ambassade de France après pour faire la grève de la faim. C'est très long. Moi, j'y suis allé en 87, j'y suis pas retourné depuis. Paris-Bucarest, aller-retour, charter pour le paradis. Ce soir, 69 couples fêteront leur retrouvaille définitive avec Mathieu, Vera ou Maëva, prénom d'ici ou de là-bas, qu'importe, prénom de leur fils ou de leur fille, de leur frère ou de leur sœur. Je vais lui apprendre le français. Et puis quoi d'autre? Et puis je vais lui dire des mots qu'elle connaît pas. Lesquels, par exemple? Je sais pas, moi, un radiateur, un canapé, je sais pas. Alors qu'est-ce que ça te fait d'avoir une petite sœur? Ça me fait... c'est bien, quoi, d'avoir une petite sœur. Ça... Comment ça remonte le moral. Parallèlement, d'importantes mesures de sécurité ont été prises aujourd'hui à Bucarest avec l'arrivée du ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze, l'homme de Gorbi, qui lui a dû annuler tous ses déplacements à l'étranger pendant un mois. Une visite donc de 24 heures consacrée aux problèmes économiques de la Roumanie. Michel Fine. Depuis la chute de Ceausescu, depuis la révolution qui a changé le pays, c'est la première fois qu'un responsable soviétique pose le pied officiellement en Roumanie. Autant dire qu'Edouard Chevardnadze est aujourd'hui très attendu. Premier contact officiel avec le Front de salut national, nouvelle occasion pour Moscou de réaffirmer le droit de chaque peuple à déterminer son avenir. Edouard Chevardnadze est venu pour cela. Mais le chef de la diplomatie soviétique est venu aussi pour apporter l'aide de Moscou. Les patriotes roumains ont besoin du soutien de leurs alliés, disait hier Edouard Chevardnadze. L'aide, c'est d'abord des livraisons de pétrole et de gaz naturel pour permettre à la Roumanie de faire face aux rigueurs de l'hiver. Comme le disait hier l'un des responsables du Front de salut national, Silviu Brucan, nous attendons beaucoup de cette visite. Gorbatchev, lui, vient d'être élu homme de l'année par les téléspectateurs de la 5, les auditeurs d'RFI et les lecteurs de match. Et vous avez été particulièrement nombreux à voter, plus de 33 000. Une élection saluée sur la 5 au Champagne, comme vous pouvez le voir sur ces images. En RDA, le dirigeant communiste Grégor Gysi propose que les deux Allemagnes réduisent de moitié leurs forces armées d'ici 91, proposition faite ce matin devant la direction du Parti communiste est-allemand. En France, la mairie communiste de Pantin a décidé, elle, d'inaugurer ce matin une rue Timișoara en mémoire à toutes les victimes de la révolte. Quelques bousculades et Catherine Fouillet. Timișoara, non Pantin. Pantin où les échauffourées n'ont pas manqué ce matin. Jacques Isabel, le maire communiste de la ville, inaugurait une plaque à la mémoire des victimes de Timișoara. Une initiative prise par certains comme une véritable provocation. Le début des événements.
s'excite, mais certains arrivent quand même à se faire entendre. Le communiste, immigré italien, antifasciste, on est outrés, on en a honte, c'est dégueulasse. Vous nous noircissez, on n'a rien à voir avec Ceausescu, rien à voir avec ces balles sanguinaires. C'est un peu se moquer du monde, de baptiser dans une, par un maire communiste une rue du nom de Timisoara, qui est une ville victime du communisme. Parce qu'il n'y a rien de changé pour le moment encore en Roumanie. Ils sont toujours menés par les communistes, bien que ce ne soit pas tout à fait les mêmes. Mais la sécurité est toujours aux ordres du PC. Quant à Georges Marchais, à Pantin, on le défend beaucoup. Ah, je parle de Georges Marchais. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez à une rue Georges Marchais un jour ? Bah, oui. Il a pensé, il n'est pas plus mal qu'un autre. Eh bien oui, une rue Georges Marchais, il suffisait d'y penser. Les problèmes liés à l'immigration ne remettent pas en cause la tradition de la France d'être une terre d'asile pour les réfugiés politiques. C'est le message adressé ce matin par le président Mitterrand aux représentants des communautés religieuses. Pendant ce temps, les élus socialistes originaires du Maghreb, eux, se réunissaient justement sur le dossier de l'immigration. Seulement, problème, la presse a été priée d'aller se rhabiller. Michel Fine. À l'origine, un colloque sur l'immigration, un discours de Pierre Jox sur l'image de l'islam en France. Intervention très attendue, la presse, les télés, les radios invités étaient au rendez-vous. Pourtant, vous ne l'entendrez pas. Car au dernier moment, le ministre de l'Intérieur a décidé de refuser tout enregistrement. « Je n'ai pas envie, a déclaré Pierre Jox à la tribune, d'entendre sur les ondes 10 secondes de mon discours sorti de leur contexte et que je n'aurais pas choisi. » La presse a donc plié bagage, dommage, car le président de la République envoyait ce matin aux médias ce message. « J'attends de vos travaux, dont je me tiendrai informé, des suggestions fécondes pour le grand chantier de l'immigration et je vous transmets mes encouragements. » Signé François Mitterrand. Quelques mouvements d'humeur dans les hôpitaux avec une nouvelle grève qui pointe à l'horizon mercredi prochain à l'appel des internes et des chefs de clinique. Motif, le gel de la convention médicale qui leur interdit de travailler dans le privé. Bernard Briançon a enfilé sa blouse blanche. Les hôpitaux en grève de leurs médecins. Ils sont 10 000, internes et chefs de clinique en région parisienne, à se mobiliser pour que les pouvoirs publics écoutent leurs revendications. Un conflit classique au fond, revendications salariales et volonté de reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications. Le point de départ du malaise est le gel de la convention médicale qui permet aux chefs de clinique d'exercer dans le privé et d'avoir donc un cabinet à honoraires libres. Les internes et chefs de clinique la trouvent un peu saumâtre après près d'une dizaine ou une quinzaine d'années d'études. Pour eux, les salaires des hôpitaux sont anormalement bas, entre 10 000 et 16 000 francs par mois. Ils veulent pouvoir exercer librement leur spécialité comme leurs aînés. C'est l'enjeu de ce conflit naissant qui risque de paralyser très sérieusement les hôpitaux dès mercredi. Avec nous Richard Léandry, ancien chef de clinique. Bonjour. Alors première question qui me vient à l'esprit, pourquoi le gouvernement vous interdit comme ça donc, de travailler dans le privé ? Je pense que le gouvernement... surtout veut limiter le nombre des médecins pouvant prendre des honoraires dans le cadre de la convention avec un léger dépassement. C'était le classique secteur 2 d'autrefois. Parallèlement, en limitant donc le secteur 1, il oblige soit la déconvention stricte avec des honoraires libres totalement et un malade qui serait relativement pénalisé puisqu'il n'aurait pas de remboursement du tout. Il ne veut pas se souvenir que le code de déontologie nous impose de ne prendre comme honoraire avec tact et mesure que lorsque les moyens des gens le permettent. Sinon, la convention stricte est toujours applicable lorsqu'on est en secteur 2. Donc, ils ont décidé de détruire le secteur 2, qui était une convention avec dépassement. Problème tout de même, s'il y a une grogne des internes et des chefs de clinique, tous les 4 ans, c'est cyclique. J'étais interne voici plus de 10 ans, exactement près de 13 ans. Et je me souviens que mon salaire d'interne à l'époque, voici plus de 13 ans, était à 3400 francs. Voilà, c'est ça, en fait, votre problème aujourd'hui, c'est le problème des salaires. Le problème des internes et des chefs de clinique est effectivement à la fois un problème de salaire et de débouché. Il faut tout de même se souvenir que je ne connais pas un universitaire qui, après 8 ans d'études et de nombreux concours, déjà un concours pour le numerus clausus pour rentrer en médecine, de passer de première à deuxième année. Ensuite, pour être interne, déjà, on a diminué également le nombre d'internes avec des internats dits qualifiants et validants qui étaient tout à fait autrefois validés, sauf qu'on travaillait beaucoup plus. Actuellement, on leur demande à la fois d'avoir une formation universitaire complémentaire et de travailler dans les hôpitaux. En tant qu'interne, lorsque vous touchez près de 7000 francs par mois, alors que vous avez dépassé 30 ans et que vous êtes peut-être déjà en charge de famille, il n'est pas acceptable de travailler entre 90 et 120 heures par semaine, car c'est le capital d'horaire que vous êtes obligé de fournir afin d'acquérir les connaissances à la fois sur le tas et dans les livres.
Ensuite, quand vous êtes chef de clinique, après 4 ans d'internat, 1 ou 2 ans de service militaire pour les hommes et 7 ou 8 ans d'études, lorsque vous avez donc 12 à 15 ans de travail derrière vous et que vous êtes en tant que chef de clinique, lorsqu'on vous donne pour 100 heures ou 120 heures de travail, moi j'étais chirurgien en tant que chef de clinique à Boussicault, je peux vous assurer que tous mes collègues chirurgiens travaillaient énormément. Quant aux collègues médecins spécialistes, chefs de clinique, ils travaillaient tout autant. Ils avaient peut-être moins de présence, mais vous avez les visites du matin, les travaux auprès des malades, les soins à délivrer, les interventions quand vous êtes chirurgien, la contre-visite de l'après-midi, les dossiers à tenir, les statistiques, la garde. En tant que chirurgien, on est de garde un jour sur deux, en vacances un jour sur trois. Le reste du temps, il y a une désaffection complète actuellement des candidats pour être interne en chirurgie. Oui, justement, on va très bien parce qu'on nous dit qu'on fabrique trop de médecins. Ça, c'est des termes politiques, quelle que soit la couleur. Mais je peux vous assurer que les malades, ils ne sont pas d'accord, parce que lorsque vous avez des salles d'attente bondées et que votre premier rendez-vous est à 5 heures alors que vous sortez du bloc opératoire et que votre dernier rendez-vous est à minuit, je suis sûr que le malade qui passe à minuit aurait préféré, alors que son heure officielle était 21h, passer un peu plus tôt. Alors il y a une grève, donc mercredi prochain, les urgences sont quand même assurées, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai vécu 3 grèves, je vous assure que les malades n'ont jamais été pénalisés. Au contraire, de toute façon, l'État et l'assistance publique pour Paris et les hôpitaux par ailleurs ont des consignes très strictes. De toute façon, nous sommes réquisitionnés. Mais ce n'est pas grave, on a toujours travaillé. Il y aura toujours des grèves parce qu'on ne sera jamais content. C'est même le problème des débouchés. Très bien, ben je vous remercie. On passe au résultat de la question du 13h. Comprenez-vous la grogne des internes? Eh bien, vous répondez oui à 33%, non, une écrasante majorité, 67%. Il y a eu 201 appels. Et puis vous pouvez continuer à vous exprimer par téléphone ou par Minitel, donc jusqu'à la fin de ce journal, jusqu'à 13h30. Superprise d'héroïne, 22 kilos, 22 millions de francs. La drogue était planquée dans une cargaison de poils de chèvre et ce sont les douaniers de la Somme qui ont levé le lièvre. Émar du Châtenay. Un peu de flair et beaucoup de chance. Un contrôle presque banal, mais quand les douaniers de Péronne inspectent ce camion, un petit détail retient leur attention. Les rivets du plancher sont neufs. Dessous, 21 kilos d'héroïne non raffinée appelée brown sugar, soit 1 million de francs le kilo. Le chauffeur et deux autres personnes d'origine turque sont arrêtées, dont le commanditaire. Mais depuis quelque temps, la direction des douanes a dans le collimateur ses gros routiers de transport internationaux en provenance de Turquie, l'une des principales filières qu'utilisent les trafiquants des pays du Proche et du Moyen-Orient. 22 kilos, une superbe prise due au hasard. Le record date d'il y a un mois à peine, lorsque la brigade des stupéfiants, après enquête, a mis la main sur 25 kilos d'héroïne. Et là aussi, la cam était cachée dans un camion immatriculé en Turquie. Tout feu, tout flamme, le Pioneer 6, ce cargo panaméen qui brûle depuis jeudi soir au large d'Ouessant. Ce matin, un remorqueur français a été dépêché sur place pour le dégager de ce couloir particulièrement fréquenté. Pascal Misraille. Voici le cargo panaméen toujours en feu depuis jeudi soir. Pas de flammes visibles de l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Les 4700 tonnes de soja transportées par le Pioneer Sea se consument lentement. Impossible actuellement pour les pompiers de monter à bord du navire, donc de venir à bout du sinistre. Une des conduites de fuel s'est rompue. Le fuel sortait à haute pression. Tout s'est enflammé d'un seul coup. Et toute la salle des machines était en feu. Le cargo est pour l'instant remorqué au large de Brest. 3 bâtiments de la marine nationale et un remorqueur de haute mer entourent le bateau. Les 22 membres d'équipage ont été évacués. Fort heureusement, le navire a pu être éloigné hier après-midi du rail d'Ouessant. Il passe chaque jour à cet endroit 100 à 150 bateaux. Les sauveteurs espèrent pouvoir monter à bord du cargo dans l'après-midi. Le Pioneer Sea ne pourra entrer dans le port de Brest qu'une fois l'incendie totalement éteint. Une opération qui risque d'être longue. Dans quelques instants, le Paris-Dakar. Voilà le Paris-Dakar avec Gilles Schneider et toute l'équipe de la 5 sur place. Gilles, vous m'entendez? Je vous entends, Valérie, effectivement. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de confrères qui interviendront tout à l'heure pour un débat, puisque nous sommes ici à Agadez, à mi-parcours pratiquement de ce 12e